va commencer avec le quotidien, le matinal, pour le compte de la revue des titres ce matin. Fin du mandat présidentiel et prestation de serment. Le parti Les Démocrates défie toujours la démocratie. Éric Ondeté et compagnie continue d'exiger un impossible départ de Patrice Talon le 5 avril et un hypothétique dialogue national avant l'élection. Il parle d'embastillement de Ricky Amadougou alors que les enquêtes se poursuivent. Le dossier est allié avec le matinal. Décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Les condoléances de Talon au peuple ivoirien. Les condoléances de Talon au peuple ivoirien. La Côte d'Ivoire a perdu un digne fils de l'Afrique, une valeur sûre. Quelques extraits, bien sûr, de l'hommage de Patrice Talon à Ahmed Bakayoko, le Premier ministre ivoirien, décédé il y a 48 heures. On laisse le matinal, on poursuit, on retrouve le dynamisme info, qualité des productions et objectivité dans les débats. La presse béninoise dans un état qui laisse à inquiéter. Dynamisme info qui donc jette le pavé dans le rang des journalistes ce matin. Qualité des productions et objectivité dans les débats de la presse béninoise dans un état qui laisse à inquiéter. On va rester avec Dynamisme Info qui titre aussi incarcération de sa candidate cabale médiatique contre Yahi et citation à Soglo. Le parti Les Démocrates réagit et réaffirme sa solidarité à Ricky Amadougou. Voilà, le dynamisme info plutôt. On laisse dynamisme, on poursuit. Matin libre ce matin. Hein. Cabale médiatique contre Yahi Amadougou et Soglo. Les démocrates dénoncent une tentative de déstabilisation. Les démocrates dénoncent une tentative de déstabilisation éducation dans les écoles, les cérémonies et cultes interdits. Éducation dans les écoles, les cérémonies et cultes interdits, puis dérapage constaté dans la presse, l'ODEM met en garde. Dérapage constaté dans la presse, l'ODEM met en garde. Matin libre. Voilà. On poursuit avec la découverte des titres aujourd'hui, les quatre vérités. Les quatre vérités et continuité de la révolution énergétique au Bénin. Le gouvernement raccorde plus de 35 localités au réseau de la SBEE en tournée depuis mercredi dans l'Atlantique. Le ministre donnant Jean-Claude Oussou satisfait de l'évolution des travaux sur les chantiers. Les images dans les lignes du quotidien. Les quatre vérités ont poursuivi l'arrivée des premières doses de vaccins contre la COVID-19 au Bénin. Daniel Eda remercie les structures ayant facilité cette première dotation. À la suite des quatre vérités, nous allons retrouver l'événement précis. L'événement précis qui titre « Interpellation préventive et proactivité dans la période préélectorale ». L'État décide de contrecarrer tous les projets de troubles. L'État décide de contrecarrer tous les projets de troubles. On poursuit, on reste avec ce même quotidien. Réception de 144 000 doses initiales de vaccins anti-Covid-19, 70 000 agents de santé et des personnes vulnérables bientôt vaccinées. L'événement précis. On poursuit avec la réalisation, la cime de l'info. La cime de l'info, hein, Bénin présidentiel de 2021. L'ODEM appelle les hommes des médias au professionnalisme. L'ODEM appelle les hommes des médias au professionnalisme. Voilà, donc ça c'est à lire avec la cime de l'info. L'actualité se poursuit toujours. Pour les grands titres, Bénin intelligent, d'autres notations. L'agence Moody's, le Bénin passe à B1 avec perspective stable. Le Bénin passe à B1 avec perspective stable. On reste avec Bénin intelligent, hein, réception des vaccins anti-Covid, soulagement des cibles prioritaires. Le Bénin intelligent qui donc consacre également et bien sûr quelques lignes à l'actualité concernant la réception des vaccins et bien sûr contre la Covid-19. Au Bénin, 13e arrondissement de Cotonou, l'équipe de campagne de l'UP. Vous pouvez découvrir cela également avec Bénin intelligent. Le potentiel acte de terrorisme en cette veille de la présidentielle, les proches de Madougou s'isolent d'elle. Les proches de Madougou s'isolent d'elle. C'est le potentiel qui apporte l'information. Organisation des cérémonies dans les écoles, Salimane Karimou met fin au business des directeurs. Salimane Karimou met fin au business des directeurs avec le potentiel.
On va donc, bien sûr, évoluer dans la revue des titres. Le Bénin a libéré, célébration de la GIF, MPD, Biotchane célèbre les femmes. Covid-19, 144 000 doses d'AstraZeneca réceptionnées. Le Bénin reçoit son premier lot de vaccins via, bien sûr, COVAX, le système mis en place par l'OMS pour aider les pays les moins avancés donc, à acquérir le vaccin contre la COVID-19. 19 supposés chantage de talons contre Diop Benoun, l'opposition toujours en panne d'inspiration. C'est le Benoît Libéré qui en parle ce matin. On va boucler maintenant avec Le Temps. C'est un quotidien ivoirien. Le Temps, l'actualité oblige. Après la mort de Ahmed Bakayoko, la population en colère saccage tout à Séguéla, Bouaké, à Bobo, les élèves dans la rue. Révélation sur les derniers instants. Et bien sûr, du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Ça, c'est Le Temps, un quotidien ivoirien qui revient sur les événements, et bien sûr, après la mort du Premier ministre Bakayoko, décédé il y a 48 heures à Fribourg. Ça, c'est en Allemagne. Merci, et bien sûr, de rester avec nous. C'était donc la découverte des grands titres, la rubrique Quoi de neuf?